Oui, madame la ministre. Oui, bien sûr, je m'en occupe. Mais justement, elle est devant moi. Oui, je vous en prie. Au revoir, madame la ministre. Mes hommages. Bien, madame Perruchon. Oui. Hein, ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de votre classe? De la SPEG, la SPEG. La SECPA, monsieur. Oui, c'est pareil. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Et vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette classe? C'est un défilé de professeurs, il n'y en a pas un qui tient un jour. C'est quoi, c'est un casting pour professeurs, c'est ça? Ah non, pas du tout. Regardez, regardez, tenez, monsieur Plâtre, là. Monsieur Lamplâtre. Oui, c'est pareil. Un jour, il a tenu. Un jour, regardez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que vous faites? Vous respectez pas? Et monsieur Mektoum, là? Mektoum. Oui, c'est pareil, Vincent Mektoum. Regardez. Avant, j'étais prof de SECPA. Ils m'ont rendu fou. Des cahiers dans la tête, tout ça, pourquoi? J'étais normal, très gentil comme gars. Maintenant, je suis parti au bled, je me suis radicalisé. Tranquille, je suis un bon musulman. Ça va péter. Ça frôle, là. Une demi-journée, lui. Alors écoutez bien, madame Perruchon, hein? Soit vous me trouvez un professeur qui arrive à tenir cette classe, soit, vous connaissez Roubaix? Non, c'est où? C'est en France. Hein? Je vous mute à Roubaix. Comme ça, Marseille, pour vous, c'est terminé. Vous m'entendez? La plage, la mer, les Arabes qui vendent du shit dans les cités, terminé! Écoutez, laissez-moi une dernière chance, monsieur le recteur, je vous en supplie. Je suis sur un coup, là. Ah bon? Avec l'école des Nordines. Ouais. L'école des Nordines? Oui. Vous vous foutez de moi? Ah non, pas du tout. Je ris, là, l'école des Nordines. C'est une légende. L'éducation nationale vient de supprimer le programme. Non, mais pas du tout, j'ai un contact là-bas. Il me garantit toutes ces informations. Écoutez, madame Perruchon. C'est votre dernière chance, vous m'entendez? Votre dernière chance. Autrement, c'est Roubaix. Roubaix, c'est pavé. Merci, monsieur le recteur. Je vous en prie. Merci. Allez, dégagez, vous m'énervez. C'est mon bureau. Plus pour longtemps, madame Perruchon, plus pour longtemps. Allez, sortez. Monsieur le recteur. Et ne me décevez pas. Salon. Là, président, pas de morale, c'est pas les femmes, le toi, tu t'agonnes, moi, je... Frérot, pour moi, tu mets 3 pizzas, 3, ouais, 4 fromages. Hey, tu veux quoi comme pizza, toi? Vite, je vais ramener une pizza. Chèvre, miel, fraise, tagada, chèvre, miel, fraise, tagada, chocolat. Piment. Piment. Ouais. Supplément champignon, s'il te plaît, sur les piments, c'est important. Tu regardes quoi, Chèvre? En fait, je regarde un truc, c'est pour m'inscrire la semaine prochaine. Au cours de judo. Cours de judo la semaine prochaine? Ouais. Faut que je m'inscrive, moi aussi, ça. Non, mais tu pourras pas, parce que il restait une seule place, en fait, pour ça. Dans la classe de SECPA, ramène-les tout de suite, là, on a faim. Cours, s'il te plaît, frère. Encore, tu veux un truc à boire. Ah, ils prennent que des noirs. Non, ils prennent tout le monde, hein. Que des noirs, torse nu, musclé. Non, c'est pas ça. Non, t'es fou, quoi. Tu crois que je suis un pédé, quoi. Des frites avec... Des frites à boire. Un pamplemousse. Un pamplemousse, s'il te plaît. Oh, ça y est, donc. T'es arrivé quoi, à l'œil? Je me suis battu. Non. T'es battu où? J'étais en boîte, je commençais à chauffer avec la meuf. Ouais. Et là, le mec de la meuf, il vient, il me met une patate. C'est pas grave. Oh, t'es au mytho, tu t'embrouilles avec un CP avant-hier. Qu'est-ce que tu m'as? C'est ta mère la CP. Oh. Sur le bon jeu, les neufs, vous avez pris la confiance depuis qu'il y a Game of Thrones. Fais attention à toi. Levez-vous! En 2 mots, c'est très simple. Vous êtes la pire classe que le rectorat n'ait jamais vue. Vous avez fait fuir l'ensemble des profs de l'académie. Eh bien, je vous rassure, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je présente M. Jean-Baptiste Lebrun. La dernière chose de cette section d'enseignement est professionnelle adaptée. Quoi, la SECPA, quoi. Ah, ouais, c'est nous, ça. C'est nous. Monsieur Brun, je vous les laisse. Nordine. SECPA, sans à vous. Merci. Maintenant, vous allez tous poser vos culs sur les chaises. Et le premier qui l'ouvre pour dire un truc pas intéressant, je lui nique sa grammaire. Claire? On se connaît, toi et moi. Charlie? Oui, c'est Charlie. Ah ouais. Collège Charles Fauré, 3ème 3, 1986. Ouais. Non, c'est mon frérot. Sur la vie de ma mère, t'as pas 19 ans, toi. Il a quel âge?
T'as quel âge, frère? Non, parce que j'étais blessé pendant 10 ans, tu vois, ligament croisé. Assieds-toi, sinon je te fais l'autre ligament. Ouais. Assieds-toi, on coule Benz, assieds-toi, vas-y. T'as chose intéressante à dire? Non, ça va. Alors ferme ta gueule. Bien sûr. Mathématiques. Ouais. Bonjour les gags. C'est qui toi? Je suis nouveau surveillant, ça fait 2 ans. Ah, qu'est-ce que tu veux? Bon, je suis venu pour vous dire que la journée forêt elle est annulée demain, hein, bande de sgeg. Voilà. D'accord. Tenez. Donc, journée forêt annulée. Voilà. On t'a dit que tu ressemblais à Adam Lover? Ouais, je sais. Ouais. Tu le sens? Ça sent la canne, hein? Coupe d'Afrique des Nations, hein? Ça sent le chasuble, là. Oh, ouh! Ça va être con, surtout. Hein. Walid! Pythagore, elle a dit quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ben quoi? La factorisation, la con de ton père, le chevreuil! Tu as de la chance que tu aies un coussin, sinon tu refinis un cyclope. Redonne-moi la brosse. La brosse. Retour. Oh! A plus B égale la somme des deux secteurs angulaires droits et de l'angle de l'hypoténuse. Ça t'a compris quelque chose? Non. Trop tard. Oh, j'ai pas compris un truc là. Depuis tout à l'heure, vous lancez des brosses. Vous êtes pris pour qui? Mario Bros ou quoi? Oh, c'est pas... Ton carnet. Je l'ai oublié, je l'ai pas. Bon, je vais faire un rapport. La vie de ma mère, il est là. Voilà. Ouais, il est là. Note. Merci. À moi, c'est 50 euros. C'est à moi. C'est pour le goûter. C'est pour le goûter, pourquoi tu... Note. Nordine, le professeur de mathématiques, vous donne rendez-vous demain à 16h30 derrière le collège pour être tranquille afin de discuter et pour vous défoncer la bouche à vous et à tous les fils de pute qui veulent se battre. Vous venez seul ou en groupe, comme vous voulez. PS, vous pouvez venir armé, je vous nique quand même. Note-le. Comment ça, je vous nique? C'est ENT ou ES? Parce que d'habitude, par rapport à... Mais qu'est-ce que c'est? Non mais t'es trop en mongole. Monsieur! Hé, monsieur! Vous connaissez les droits de l'homme? Viens voir au tableau. Pourquoi? Viens au tableau, viens. Vas-y, je te rejoins. Vas-y, on a tu as vu l'homme? Tu as vu la droite? Ouais. Voilà la droite de l'homme. Ramassez-la! Ramassez-la, voilà, je vais lui faire une clé, je vais la détruire. Voilà que vous allez aimer les maths! Oui, j'aime les maths! J'adore les maths, monsieur! Oui, j'aime les maths. Allez-y, monsieur, j'adore les maths! Vas-y! À demain! Ça fait longtemps, j'attendais un prof comme ça. Jamais à court d'idées, virgule, ouais, jamais à sec, virgule, je vois la lune se coucher. Quand je cabre sur la A7, réveille. Ouais. Virgule. Partage, j'ai demandé de changer, toi. Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est lui, il parle avec moi, je comprends pas. Moi, je travaille, lui, il parle avec moi. Mais ça me saoule, arrête, Charlie, c'est cool, ça. Donc, j'en étais où? Sur la A7. Cabré sur la A7. 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 Est-ce qu'on les joue? Oui. Non, c'est pas beaucoup. Chut. Terrible, là. Oui. Tu vois la date. Je sais que les jaloux. Double barre. Bonjour, Esgeg. Bonjour, les secteurs. Ça va encore? Tu es dans quelle classe, toi? Moi, je suis surveillant. Attends, CM2, c'est Madame Pompinette. C'est, Non, je suis un vrai surveillant. Mais il les trouve où, ces surveillants? Je crois qu'il est près d'un carrefour au rayon hamster. Toi aussi, tu ressembles à un rongeur. Ça va, c'est fini, là? Comment vous lui parlez, là?
C'est vrai que tu ressembles à Rata Laveur. Ouais, je sais. Bon, bref, je suis venu pour vous dire que vous êtes tous convoqués aujourd'hui devant le conseiller d'orientation, monsieur Jemet-Lui. Hein, voilà. Il va tous vous parler de votre avenir, même si vous n'en avez pas. Hein, vous êtes déjà foutus. Ouais. Bon. Merci, allez. Hein, Antaro. Tête de cul. Hamster. Casse-toi de là. Bon. On en était où? Je cadre sur la A7, virgule. Ah, enfin! Allez-y, installez-vous, je vous en prie, prenez place. Ma montre, ça fait toc-toc, hein. Coucou! Alors vous êtes en classe de SECPA, c'est-à-dire un des plus gros fils de pute de ce lycée, effectivement, alors bienvenue. Nous allons voir ensemble aujourd'hui votre futur projet, qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard, quelles sont vos envies? Moi j'aimerais bien jouer au Real de Madrid. Pardon? Appelle Zidane, tout de suite, j'ai le talent. Au Real de Madrid, mais c'est déjà trop tard là, vous avez quel âge là monsieur? Ça c'est pas un problème ça, je peux avoir l'âge que vous voulez. 7 ans, 13 ans, moins de 18 ans, 35 ans, moi, selon mon humeur. Et tu joues quel poste? Pied droit. Comment? Pied droit, c'est-à-dire? Oui, c'est mon poste, pied droit. Comment ça, pied droit? Pied droit, pied droit, tu m'as dit, pied droit. C'est ton poste, pied droit, je comprends pas. Pied droit, donc tu es sûr que c'est ton poste, pied droit? Oui. Ok, très bien. Bah, j'ai peut-être un poste pour toi justement chez Carrefour alors peut-être. Parce que tu peux faire du pied droit là-bas, en tant que sécurité. Ou la poste? La poste. Je prends. Tu peux aussi mettre des timbres à droite, t'aimes bien ça? Milieu droit. Vers l'accueil, il y a timbre, mandat cash, Western Union. Je commence tout de suite si vous voulez, je pars. Moi j'aimerais bien être maigre, juste un jour. Comme ça je sais ça fait quoi d'être maigre. Ça a l'air trop bien. Eh bien commence par poser ce paquet d'M&M's, Kader. Simplement. Pas possible ça. Vous pillez toujours d'être gros. À un moment donné, il faut quand même faire des efforts. Quoi que tu veux faire plus tard? Tu veux devenir un M&M, c'est ça l'histoire? Tu manges que des M&M ce matin, midi, soir, mais tu prends pour qui? Tu fous de ma gueule? T'as vu comme t'es gros, t'es moche, tu pues. Et c'est quoi que t'aimes bien encore? Le Kit Kat? T'aimes bien le Kit Kat ça? T'aimes bien les cadeaux délices, hein? T'aimes bien tout ce qui est snack gros porc, va. Sors de cette classe tout de suite. Tu iras nulle part, tu seras gros toute ta vie, c'est tout. Allez, va-t'en. Chut. Alors moi j'aimerais bien faire juif. Juif. Juif, monsieur? Mais c'est pas un métier ça, juif, c'est une religion. Comment ça c'est pas un métier, juif? Producteur, avocat, maître, maître Gims. Juif, c'est un grand métier. Vous avez pas essayé autre chose peut-être? Parce que juif c'est compliqué hein. Si, j'ai pensé à autre chose au départ. Musulman. Mais ça pique un peu. Ouais, c'est douloureux hein. Ouais, l'islam c'est douloureux. Et en ce moment c'est chaud. Et le catholicisme? Ouais. C'est à tenter hein, c'est pas mal hein. J'ai essayé deux fois, j'ai échoué. Je crois que je vais faire ça. Jesus Christ is in me. Je me sens déjà apaisé, je suis bien là. Oh happy day. Oh happy day. En fait, je vais être la seconde personne de petite taille à aller sur la lune. Alors là, vous m'envoyez désolé monsieur, mais ça va être compliqué hein. Quoi? Mais il n'y a pas de désolé dans la classe. Vous m'envoyez désolé, c'est une expression. Vous êtes petit, vous êtes con en plus, c'est quoi cette histoire là? Bref, selon vous, quelle est la personne de petite taille qui est allée en premier sur la Lune? Facile, c'est Maître Yoda, frère. C'est Maître Yoda, vous dites? Ah, c'est compliqué, vous êtes petit, con, très con, plus con que petit. Hein, j'ai vu, plus con que petit. Pour vous, j'ai un CAP livreur de marchandises si vous voulez. Je prends, je pourrais aller livrer dans l'espace. Vénus, Pluton, comment? Neptune? Alors moi c'est précis. Je voudrais être chanteuse, maquilleuse Nabila, épicurienne, mannequin, peut-être chanteuse, médecin. Ah médecin, qu'est-ce que c'est classe. Il y a des métiers qui sont en lien. Juste une question, tu sais qu'il faut avoir un master pour... Masterchef, je kiffe Cyril Lignac. Ouais, on va faire ça, Masterchef. Masterchef, vous dites? Ah, c'est excellent. C'est bien con, hein. Plus con que le nain, là. Incroyable, ça. Faites peur, hein. Vous êtes bêtes, hein. Oh là là, c'est incroyable, hein.
Non, mais c'est un niveau de bêtises, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Si, deux fois, j'ai fait ça deux fois, une fois. C'était un pote à moi, bon, il était con. Le deuxième, c'était le nain, là, tout à l'heure. Il est bête, celui-là. Oh, c'est votre ami? Qu'est-ce qu'il est con, il est con. Et vous, vous êtes pas loin. Vous êtes pas loin de top 3. Top 3 d'année, franchement, vous applaudis, moi. Ceinture noire de magie. Alors, moi, je peux vous proposer un bon CAP magie noire, mais ça va être un peu compliqué parce que l'école se situe un peu loin. C'est l'école David Copperfield à Casablanca, je sais pas si vous connaissez. Ah non, je la connais celle-là, surtout pas. Ma mère, elle veut pas que j'y aille. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'elle a couché d'un singe là-bas. Ah oui, il s'appelle comment? Cédric. J'ai grandi avec un singe qui s'appelle Cédric. Vu votre rapport à la magie, j'ai peut-être un truc pour vous. Ouais. C'est... Ouais. Femme de ménage. Alors, effectivement, faire la femme, ça va être gênant, mais le ménage, ça devrait passer, ça va être cool. Ah, si, il y a le balai, moi je prends. Hein. Ouais, il y a le balai, ouais. Et tout ce qui est balai, sorcellerie, moi, sorcière bien-aimée, je kiffe ça. Bonjour monsieur, alors je peux vous aider en quoi aujourd'hui? Je sais pas, c'est Gollum, le surveillant, il m'a dit de venir ici, il y a du travail. Ah moi aussi il m'a dit de venir ici justement, ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Rien, on est là. Rien, on est là? Ouais, c'est pas mal, c'est quelle année après le bac? Bac? C'est quoi ça? Bac? Qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi vos hobbies? Mes hobbies? J'aimais les hobbits. Le nain qui était là tout à l'heure là? Vous aimez bien les nains? Donc du coup, c'est quoi l'objectif? Vous voulez construire des nains? Acheter des nains? Faire une vente de nains? Je sais pas. Faire travailler des nains? Donc vous seriez en quelque sorte le Blanche-Neige des temps modernes. Blanche-Neige? Il finit par dormir, elle, non? Ouais, ça. Blanche-Neige, c'est bien. Oui, ma femme va bien. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Le foot, non. Oui. Non, je vous appelais par rapport au rapport, vous savez, par rapport à l'école que je suis allé visiter cette semaine. Alors effectivement, j'ai vu tous les élèves un par un, tous très sympathiques. Par contre, tous des fils de pute. Ah ouais, un par un. Surtout le nain, il est bête. Très bien, je vous laisse là-dessus. Bisous, ouais, je t'aime. Wesh, les gag. Bien ou quoi? Fais pas trop malin, y'a pas les profs pour te défendre, là. C'est pas parce que j'ai un physique d'hamster que je peux pas tous vous prendre et vous défoncer, hein, bande de folles. Ostroskan, tu sors de la douche ou quoi? Bon, il y a votre prof de sport là, Mamadou Niang là. Il est arrivé là. Mamadou Niang? Ouais. Ciao les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque deux là, ils sont où? Ouais, ils sont en salle de boxe. Bougez pas, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites, bande de tarlouses? Rejoignez-moi sur la piste, là. Ah, mais je crois que j'ai déjà vu quelque part, lui. Sa tête, elle me dit un truc. Moi aussi. Elle me dit un truc, quoi. J'ai vu quelque part. Ah, c'est bon. J'ai trouvé. Il est vigilant à Monoprix. Ouais, rigolez. Je suis le seul joueur à avoir blessé Cristiano Ronaldo sans l'avoir touché. Bande de gringos. L'OM qui a joué contre le Real, ça devait être il y a longtemps, parce que là, ils sont pas loin de la Ligue 2. Ouais, pas c'est un mytho, là, j'ai mis joué à l'OM. Menteur. Moi, je suis un mytho, moi. Alors, je suis un joueur de foot maintenant? Non, là on dirait plus un marabout qu'un joueur. Bon les gars, aujourd'hui je vous ai préparé un exercice d'échauffement, tout simple avec des plots, ok? Le gros, viens là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dégage-toi. Viens là le gros. Je te montre une fois, tu me suis, ok? Voilà,
Allez, à toi mon cadet, à toi. Mais t'es con ou quoi? Allez, viens, 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 je vais t'aider, viens. Y'a quoi? Je crois que c'est les gamins croisés. Il y a pas beaucoup de chier. Je vous ai préparé un exercice. Montrez-moi qui sont les guerriers ici là. Parce que c'est du lourd, du très lourd. Est-ce qu'il y a un problème? C'est moi la bête ici. C'est moi qui ai le plus gros cardio. Waouh! Un problème? Tu veux rentrer chez moi, laissez-moi. Tu veux rentrer, je suis pas une bête. Pourquoi? Tu veux pas de mutuelle? Bon, les gars, dernier exercice. Celui qui réussit à me récupérer le ballon, il est dispensé sport jusqu'à la fin de l'année. Ok? Attrape-le! Vas-y. Bonsoir, ça va, tu vas bien? Ouais. Ça c'est pour avoir blessé Ronaldo. T'as passé un stylo vert? Mais toi frère, t'es la seule personne frère, tu cherches un crédit, c'est quoi? C'est l'aime, c'est quoi le bail? Ça c'est tout, tout à l'heure j'ai qu'un stylo. Personne n'a du vert à cette heure-ci, tu veux quoi? Asseyez-vous. Hichem, il est pas là? Non, mais c'en est mardi, il est mardi. Bonsoir. T'étais où, toi? En garde à vue. Hier soir, c'était mardi soir. Le mardi soir, c'est garde à vue. Elle a fait du foot, lui fait du poney. Bon, le mardi soir, c'est garde à vue. Cours de... garde à vue, je... Ouais. Cours de balance. Ah, Denis Brasco. Dis-moi. Oh, Hichem, le bon tuyau. La moitié des prisons, c'est Hichem. Ah, ils l'ont frappé pour qu'il arrête de parler. Toi, t'as frappé pour qu'il arrête de manger. Oh hey oh la balance, assis. Je balance pas, je renseigne. En parlant de pipeau et de tuyau, on va jouer de la flûte. Ouais, mais ça existe encore, ça? Bah ouais, ça existe encore. Hey, il a cru qu'il était au Cameroun. Hey, t'es en France, ma gueule. Te casse pas la tête, dès qu'il faut souffler dans un truc, tu vas être bon, là. Oui. Merci monsieur. En plus, on est super fort en flûte. C'est pas vrai. Ouais. Ah, cool. Oh monsieur, c'est pas la mienne. Elle sent le KFC. Ça va. Il y en a plus. Si, il y en a. Saïd. Mais sérieux là?
Alors on regarde la fête à Saïd. Ça me donne une idée, c'est bien. On attend une autre, salut nazi. Alors, il y a un représentant du ministère de la Culture qui va venir cet après-midi. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner une petite chanson à apprendre. What? Hein, vous connaissez les choristes? Non. C'est quoi? Le chemin. Ah, voix sur ton chemin. Oui, c'est ça, voilà. Si, je connais. En combien de temps, monsieur? Ah, mais c'est grand. Combien de jours? Vous avez 10 minutes. Quoi? C'est ma tête. Je vous défonce. Un peu. Toi. Et toi, là-bas, j'ai vu les cacahuètes. Une par une, je l'ai mis. Wesh, les gags. Ça va ou quoi? Ça va, enculé. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a le ministre de l'Agriculture. Non, de la Culture. Non, c'est ça, la culture. Voilà, j'espère que vous allez bien le recevoir. Il arrive maintenant, il est juste là, hein. Monde de clochards. C'est toi qui le clochard. T'es qui, toi? J'arrive pas à... Moi? Ouais. Je suis nouveau sur rien, ça fait 2 ans. On t'a déjà dit que tu ressembles à une abuelette. Ouais, je sais. Abuelette. C'est qui, c'est ce gag? Il a tellement redoublé que t'es devenu surveillant. Bien joué. Rigolez, hein. Vous allez finir surveillant aussi. Inch'Allah. Moi, mes parents seraient fiers de moi. Vous le faites pas honte, hein. T'es fou. T'inquiète, frère. On va pas chanter les choristes, frère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dites bonjour à monsieur Naestro. Bonjour monsieur Naestro. Il va vous faire une petite démo, c'est le ministre de la Culture qui nous l'envoie. La donna immobile, tu mal vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, il pianto in riso. E menzognero, la donna immobile, qua più mal vento. Bravo. Bravo. Donc maintenant, mes élèves, pour te remercier, ils ont quelque chose pour toi. Ah, hâte d'entendre. C'est une surprise. Vous êtes prêts? Ouais. Allez-y. La chrysomaïque mec. 3, 4. Sans le cross volé, car même si la roue est voilée, pétard en billet violet, je déshabille pas, je vais te violer. Te déshabille pas, je vais violer. Te déshabille pas, je vais violer. Que tes habits pas jouer jolis. Que tes habits pas jouer jolis. Est-ce que mon verre plus direct, c'est mieux? T'es mort. Ce soir, j'étais avec Nordine, je suis sorti. C'est qui on croise? Non. Nordine. Ouais, Nordine. Tu savais qui il était? Non. Nordine. Non. Ah. Ah, si. Elle a changé le mec. Elle a changé. Oh, Nordine, ça va ou quoi? Non, Nordine, viens! On a fait le tour, là. Non, c'est important, je vais te briefer, note. Parce qu'il y en a. Il y en a deux ou trois fois. Le premier, c'est celui qui est au premier rang. À droite? En face de toi. Ok. C'est un fils de pute. Fils de pute? Fils de pute. Ok, fils de pute.
À droite, il y a une fille. Enfin, c'est flou. Une fille floue, je note ça. Ouais. Il y a un homme de petite taille. Ok. Un vrai nain. L'inculé. Ah, l'inculé. Fais gaffe, quand tu rentres dans la classe, des fois, tu le vois pas, tiens, je crois qu'il est pas là. C'est ce que je vais faire, je mettrai un chapeau. Un chapeau énorme. Ah ouais, ouais. Comme John Wayne. Non, mieux, comme les pirates, tu sais, avec la grosse plume qui part derrière, là. Tu risques de voir que la plume. Il y a un magicien, enfin, je sais pas, magicien, marocain. C'est pareil. Ouais. S'il te donne un truc ou quoi, même une pépite, tu la prends pas. Il y en a une qui l'ingurgite. Il bouffe, tout ce que tu lui donnes, il bouffe. La colle, tout. Il bouffe, ouais, bouffe. Au bono, c'est bon. Je vais noter ça. Voilà. J'en ai 6, c'est ça? 7. 7? Ouais, c'est comme les chevaliers de l'Apocalypse. C'est qui le 7e? Ah, il y a Charlie, c'est un ami d'enfance, c'est un black. Tu verras quand tu rentres dans la classe, on dirait qu'il a 40 ans. D'accord. Et il a quel âge? Il a 40 ans. Nickel, super, je te remercie. Je commence quand? Je te montre une fois, d'accord? Et tu me suis. C'est con, tu l'as tué. Je te fais une démonstration. C'est pas une chienne. C'est du vent. C'est bon. Bon, je fais une démonstration une fois. C'est sérieux, putain. C'est quoi votre surnom? Connasse, non, c'est ça? C'est excellent. Non, vous êtes superbe. Excellent, vas-y, sortez. Allez. Sale pute. C'est cet orphelin. Ce tournoi de magie, ça va être compliqué. Hein. Magie, vous connaissez la pub? C'est la soupe, les bigs. Monsieur, c'est pas ça le problème. Je connais celle-là, ma mère veut pas que j'y vais. Ah, pourquoi? Parce qu'elle a couché là-bas d'un singe. Tu voulais pas faire un impro, non? Vas-y, redis la même, je vais te sortir d'autres trucs. Enculé, tu m'as eu là. Voilà, tu m'as niqué. Bien joué. Putain, normalement, on nique pas comme ça. Hein. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Non, mais c'est bon, maintenant je sais que t'es con, je vais aller. C'est bon. C'est-à-dire que l'école est à Casablanca, au Maroc? Ah, je la connais celle-là, ma mère veut pas que j'y vais. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'elle a accouché d'un singe. Un singe? Quel prénom? Cédric. Cette pute, c'est...